Nous sommes ici à la Conférence mondiale du développement des télécommunications à Dubaï et j'ai le grand plaisir d'être avec le ministre Ali Hassan Badon, qui est ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications de la République de Djibouti. Ministre, merci beaucoup d'être avec nous dans le studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Pourquoi est-ce que la Conférence mondiale du développement des télécommunications est importante? Merci pour votre question. Je pense que c'est une question qui mérite beaucoup de réponses. Mais pour résumer, peut-être qu'on dira que c'est une excellente plateforme pour échanger les progrès réalisés par les uns et les autres tous les 4 ans. Et nous sommes dans un secteur qui est très évolutif. Donc, se tenir au courant mutuellement, être informé, c'est très important. Je pense que ça contribue à une compréhension mutuelle et globale de la question. Et également à projeter l'avenir ensemble pour avoir peut-être une vision commune, globale, des uns et des autres sur la question qui touche la vie de tous aujourd'hui. Quelles appréciations en faites-vous pour cette conférence et quelles sont les attentes de la République de Djibouti? Avant de parler de la République de Djibouti, peut-être de manière générale, cette conférence, nous attendons qu'elle soit une plateforme qui puisse donner la parole à tous. Je sais que matériellement, ce n'est pas possible de faire des discours de 2 heures. On avait 3 minutes pour faire le discours sur 10 jours. Mais je pense que c'est important quand même, même si c'est 1 minute, d'avoir son mot à dire. Et sur ça, je dois féliciter le leadership de M. Touré et de son équipe pour avoir organisé cet événement. C'est une excellente occasion pour nous de présenter nos ambitions, nos rêves, nos objectifs et d'avoir, d'utiliser ça comme plateforme d'explication et de compréhension mutuelle. Djibouti a beaucoup de projets et d'ambitions dans ce secteur. Nous sommes un pays qui se trouve à une position extrêmement stratégique entre le nord et le sud, l'est et l'ouest sur le globe. Et nous avons des atouts considérables puisque nous sommes le seul pays africain où il y a 5 câbles sous-marins qui ont des attaches qui terminent leur circuit sur l'Afrique. C'est le seul pays donc, sur le continent. Nous sommes non seulement le point d'attache, nous sommes également membres des consortiums de différents câbles sous-marins. Et nous ne comptons pas nous arrêter sur ça, nous voulons développer encore plus nos participations dans les câbles sous-marins. Et nous avons également des câbles terrestres qui nous relient avec les pays voisins. Nous voulons tisser des liens physiques avec nos pays voisins et sur le continent africain parce que nous sommes le hub, déjà pour l'activité portuaire et maritime, nous sommes le hub régional et nous voulons être également, nous voulons jouer notre rôle de hub numérique parce que nous avons une tradition, je dirais, commerciale. C'est un pays qui est né du commerce. Nous avons une tradition commerciale, nous avons une tradition de service. C'est l'un des rares pays africains à avoir plus de 80% de son PIB basé sur le service. Donc le service, nous on sait ce que ça veut dire. Et le commerce, nous on sait ce que ça veut dire. On a été globalisé avant tout le monde. Donc aujourd'hui, je crois que les autres suivent. On se doit donc d'être à la pointe. Et nous sommes ouverts à tout type de partenariat au niveau global pour faire de l'Afrique et donc de Djibouti, l'avenir de l'humanité. Alors il y a beaucoup d'opportunités pour l'économie numérique à Djibouti. Il y a beaucoup d'opportunités pour toute la région. Et Djibouti n'est que la porte d'entrée, la plateforme d'entrée pour l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, beaucoup de pays ont des croissances à 2 chiffres, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Vous savez que l'Afrique est dotée de ressources naturelles extrêmement variés et nombreux qui sont en train d'être développés. Vous savez que l'Afrique a une population jeune et croissante. Donc nous avons énormément d'atouts. Nous sommes le continent de l'avenir. Donc s'il faut un endroit où il faut être, c'est en Afrique aujourd'hui. Et si sur l'Afrique, il y a un pays où il faut être, c'est Djibouti. Donc je pense que c'est un message qui doit être parfaitement compris. Et ce qu'on cherche, c'est une win-win situation. Il faut que tout le monde soit gagnant. Et ce qu'on cherche, c'est de développer ensemble des partenariats pour l'avenir, pour le long terme et pour la réussite de tous. Pour terminer, je voudrais vous demander, pouvez-vous nous parler de la vision et des ambitions de la République de Djibouti par rapport au secteur de l'économie numérique? Tout à fait, nous avons une vision claire, nous avons une stratégie claire. D'ailleurs, je pense que vous allez le trouver sur le site de ITU. Nous avons
une vision qui veut que ces pays soient la porte d'entrée et le centre de transbordement, pour reprendre un peu l'exemple des expédiés porteurs que nous connaissons. Et nous avons des data centers qui se développent, nous avons des activités de concertation et de traitement de données qui se développent, nous avons de la recherche et développement qui se développent. Donc nous avons une grande vague d'activités qui est en cours, et j'invite ceux qui n'ont pas encore pris le train de prendre le train en marche. Il n'y a pas d'arrêt pour ce train, il faut le prendre en marche. Cette conférence, c'est chaque 4 ans, c'est une conférence très importante. Qu'est-ce que vous voudrez qu'ils soient les résultats de cette conférence? Internet aujourd'hui a deux groupes de pays. Les pays où il y a très peu de développement d'Internet et les pays où il y a presque saturation d'Internet. Ce n'est pas seulement une fracture numérique, c'est une division numérique qui est en train de s'opérer. Il faut peut-être une multiplication numérique. Et vous savez que les biens matériels, pour se partager, se divisent, et les biens immatériels se multiplient. Donc on peut très bien développer le continent africain et saisir l'opportunité pour les partenaires d'investir en Afrique, tout en multipliant la richesse des uns et des autres. Donc ce que nous attendons de cette conférence, c'est que l'on comprenne mutuellement que c'est à l'intérêt des uns et des autres de développer ensemble le secteur numérique, contrairement à l'économie traditionnelle, qui s'est divisée, celui-ci se multiplie. C'est une chance à saisir pour tous. Ministre Ali Hassan Badon, je vous remercie pour votre présence dans le studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous aussi.